fille de bisous. Hein? Moi je suis satisfaite, mais je sais que mon mari n'aimera pas parce qu'il n'aime pas que je sois trop maquillée. C'est quand même... Avant de suivre la vidéo là, avant de boire mon thé, savez quoi? Mon thé n'est plus gratuit. Mon thé s'appartient seulement aux gens qui like, aux gens qui partagent, aux gens qui commandent. Si tu sais que tu vas liker, oh, tu vas commander, oh, tu veux la star à papa. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi c'est Adrienne, a.k.a. la star à papa, a.k.a. Première Dame. Vous avez déjà vu comment mon thé d'aujourd'hui est spoiling. Le thé d'aujourd'hui est popping. Oh, le thé d'aujourd'hui est très chaude, que j'ai même pas envie de parler dans l'introduction trop. Nous allons juste nous retrouver après cette petite introduction. Servir mon thé avant que aujourd'hui là le buvez d'été, on est ici pour Congo ça, on est ici pour parler, on est ici pour boire l'été tellement que moi j'offre un bon thé. Aujourd'hui nous avons un thé green tea. Si tu as problème de perte de poids, je te conseille de boire ce thé lorsque tu regardes les gens des vidéos drama, les gens des vidéos thé, avant que je puisse vous servir les dramas d'aujourd'hui, avant que je puisse vous servir les thés. Attendez d'abord, hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dois d'abord boire mon thé. Lorsque ça va brûler dans, ça va me brûler dans, lorsque le thé là va travailler dans moi, c'est en ce moment-là que je vais vous servir les meilleurs thés que je n'ai jamais donné. Attendez d'abord que je puisse boire ce thé. Ça va bien me réveiller. Ça va bien réveiller le côté congolais que vous aimez bien. Alors nous commençons la vidéo. Pendant que le peuple congolais souffre, pendant que la population congolaise souffre, hein, Congo ça n'a pas si, hein. Pendant que nous le Congolais, nos familles à Kinshasa manquent à manger, nous tous nous avons été témoins de ces mariages, les mariages de l'année 2019. Tous nous avons vu comment Monsieur Vital Kamerhe a honoré sa femme. Vous savez, moi, j'aime bien les mariages. J'aime les mariages. Je suis mariée. J'ai fait 3 mariages, donc je connais bien ce que c'est les mariages. Mais ces mariages que nous tous, nous avions vus, c'était un mariage de rêve. On parle bel et bien des Amida Chature, une femme qui a été au sommet avec plus de 3 hommes puissants, puissants de la RDC. On parle des JB, on parle des Didi Kinwani et aujourd'hui, Madame Kamerhe. Donc, les internautes, le peuple congolais était trop fâché par rapport au budget, par rapport même à tout ce qui s'est dit dans le projet 100 jours. Madame Amida qui nous dit qu'elle avait reçu beaucoup de cadeaux, notamment 800 000 en espèces, 5 jeeps, XY et tout, sans compter en euros, en livres sterling. On avait vu les stars de la RDC, notamment Mike Kalamba et tout le monde prendre place. Même les présidents de la République étaient présents dans ces mariages. Après les mariages, Amida avec des cadeaux, des chaînettes en or. Avec tout ça, cet amour, vraiment un amour de ouf. Les internautes se posaient toujours des questions. Mais comme vous-même, vous savez chez nous, la corruption est au sommet de toutes les institutions, toutes les organisations, de tout. Donc, partout, il y a la corruption. La corruption est présente, ok? Ça, on ne va pas nous cacher, on ne va pas se voiler et tout. La corruption passe et même aujourd'hui, lorsqu'on parle de procès 100 jours, il y a les gens qui sont encore en cravate dans des bureaux en train de voler en ce net clair moment où nous, le peuple congolais, nous sommes distraits parce qu'on a juste arrêté un seul voleur. Et quel est le sort des autres voleurs, d'autres personnes qui sont encore dans les bureaux en train de prendre de l'argent? Peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous en tout cas. Parlons maintenant de cette jolie dame, Amida Chature, que vous tous vous connaissez, ex de JB, ex de Didi. Aujourd'hui, tout le monde dit que ouais,
vu que Kamere va faire 10 ans en prison, Amida va trouver un autre homme puissant et va se remarier encore. Hey! Moi, si à chance, moi, si à Liba, là. Les gens sont en train de s'y Amida. Les gens sont en train de s'y moi, je suis pas ici. Ouais, tu donnes la morale. Chacun est fâché, chacun est content, chacun fait la fête selon lui, selon elle. Mais pour moi, je voulais quand même lire quelque chose que j'ai vu sur les réseaux qui m'a aussi tiqué. Hein. Bon, fin à moi, Sioyo. Mais peut-être que bah, fin à Kakanaso. Tu as un homme qui est voleur, ok? Peut-être tu n'es pas au courant. Cette dame a été une dame hein, de business, comme vous-même vous savez. Mais aujourd'hui, elle s'est mariée à Kamere. Bon, yo, quand on a comme Kamere à Lobaki lors de leur mariage. Kamere, Loa, Kalibi, Nivita, consentez-vous de prendre pour légitime épouse Mademoiselle Château Amida Amida, ici présente. Oui, avec force. Mademoiselle Château Amida Amida, consentez-vous de prendre pour légitime épouse Monsieur Kamere, Loa, Kalibi, Nivita, ici présent. Oui, je le veux. D'écouter comment Kamere a dit oui, je les veux avec force. Elle a marié cette femme avec force. Aujourd'hui, Amida est en train de subir une pression aux internautes. Mais je tiens à vous rappeler d'abord, cette femme, c'est, elle est mariée à Kamere, ok? C'est une mère, elle a ses enfants. Elle est en train de traverser un moment difficile de sa vie. Oui, je sais que lorsqu'elle est en train de se réjouir de l'argent de son mari, peut-être elle ne se posait pas de questions. Mais maintenant, elle est en train de traverser un moment trop lourd, un moment sale, mais l'enfoncer encore avec les insultes. Les gens se posent la question, est-ce qu'elle va attendre encore ou nous allons avoir un quatrième bisou des mariages venant des Amida? On dit, au lieu d'insulter cette dame, regardez d'abord vos vies, vos relations. Est-ce que ça marche? Peut-être toi, tu es séparé avec l'homme de ta vie. Peut-être toi, ton mariage a raté. Peut-être toi, tu t'es marié avec l'ami de ta copine. Peut-être toi, XY. Pose-toi la question autour de ça et réfléchis plutôt que d'insulter la femme qui est mariée justement à quelqu'un qu'on est en train d'accuser de vol et tout et tout. Je reconnais aussi que Amida, c'est une personne qui est publique maintenant, tout le monde parle d'elle. Donc, lorsque c'est bien, on parle et lorsque c'est aussi, ça ne va pas dans sa vie, les gens parlent, mais des grâces en tout cas. Moi, dans ces procès, j'ai pas trouvé là où Amida a été accusée. Je sais bien que lorsqu'on mari s'est jouissait de l'argent, c'est là où il y a problème, mais du moins on n'a pas condamné Amida, sauf si on l'a condamné, venez dire. Mais moi en tout cas je compatis avec sa souffrance, malgré je n'avais pas réjoui avec leur vol. Et maman, vous les mamans qui êtes à la maison, merci de conseiller vos maris. Si tu es aussi au courant que ton mari ne se comporte pas bien, ton mari est en train de voler, ton mari utilise l'argent sale, il faut toujours dénoncer pour nous éviter ces genre de comportement. En tout cas, que Dieu fortifie cette dame. Et je sais bien que beaucoup sont en train juste de parler mal de cette femme parce que c'est la haine, purement la jalousie. Je vais vous faire play à un procès. Je vous ramène maintenant en Côte d'Ivoire, là où on avait condamné Simone Gbagbo, la ex-première dame, parce qu'elle aussi, elle savait, elle était retrouvée dans un dossier de détournement. Mais le contraire pour Amida, Amida n'a pas été retrouvée là. Écoutez d'abord ce que, France 24, elle nous avait proposé il y a 5 ans passés. D'abord, on part en Côte d'Ivoire. Il y a du nouveau dans le procès de Simone Gbagbo. On rejoint notre correspondante à Abidjan, Anna Sylvestre Trainer. Bonjour Anna. Le parquet requiert 10 ans de prison contre l'ex-première dame. Oui, exactement. 10 ans de prison viennent d'être requis hein, contre Simone Gbagbo. Une demande de peine assortie d'une demande de privation des droits civiques et d'une interdiction de paraître.
que là vous venez d'écouter, vous pouvez retrouver cette interview ou bien l'histoire si vous ne connaissez pas. Ça s'est passé 5 ans passé, l'ex-première dame a été condamnée à 10 ans de prison. Chose qu'on n'a pas vu dans ces dossiers, la femme n'a pas été condamnée, mais tout l'acharnement, le Congolais se pose les questions, qui va marier Amida next? Moi je pense que au lieu que vous puissiez vous poser trop de questions sur les mariages, le choix amoureux, les choix sexuels des Amida, regardez vos vies. Est-ce que tu n'as pas de mbanda? Est-ce que ton mari te trompe? Est-ce que pose-toi des questions? Est-ce que ta relation est pure et tout, plutôt juste que de critiquer, insulter cette dame? Parce que moi, en regardant ce procès de la honte, je n'ai même pas retrouvé où Amida est coupable. Certes, nous tous, nous savons dire que Amida a joui, elle s'est réjouie de l'argent de son mari. Peut-être elle ne savait pas, peut-être elle savait. Mais du moins qu'on ne l'a pas condamnée. Botika Rofing a moins sur la Sony. Il y a quelque chose de grave qui vient d'arriver dans sa vie. Alors arrêtez votre hypocrisie d'insulter parce que nous, on insulte partout. Je sais bien qu'en tant que Congolais, ça fait mal de voir qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la gloire et que la population congolaise, je répète bien, souffre. La population congolaise souffre. Cette dame, si elle dit c'est une business dame, pourquoi pas si son business marche et elle vit la vie qu'elle mérite. Elle avait déjà une très bonne vie, on doit s'y aller avec Donc, je ne sais pas quelles sont vos réactions par rapport à ce qui est arrivé à Amida. Si toi, tu étais Amida, est-ce que tu vas te remarier? Est-ce que tu vas retourner encore avec JB? Est-ce que tu vas attendre Kamere pendant 20 ans? Ah, j'ai bien dit, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20 ans. Oh my God! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est ta première fois, connecte-toi, abonne-toi pour ne pas manquer de mes vidéos. Ok? À très bientôt. Bye bye. Commentez la vidéo, ça va me faire énormément du bien. Et surtout, n'oubliez pas avant d'aller donner des pouces bleus sur la vidéo. Bye. Bientôt. Bye.